référendum ça son provocation. Population doit comprendre. Tout ça avec marqué référendum, crasé. Bandroit le référendum, crasé. Des bons bagailles qui marqué référendum, crasé. C'est une provocation. Un monde qui pas vle, c'est pour aller voter pour dire non. Mais un monde qui pas vle, c'est pas dans le micro pour venir dire non, c'est pour aller dire non. Dans l'union, dans le côté que le peuple a mette. Parce que c'est ça qui démocratie. Démocratie, c'est capacité pour gagner. Pour dire oui ou voulez ou bien non ou pas voulez. Il va en faire pour personne depuis ce maintenant, Gobri a couru États-Unis, Canada et la France, trois gros entités qui sont dans tête pays d'Haïti, mais cependant, ils sont censés retirer quoi yo, suite à la dernière bataille gang à traverser dans le pays. Ya, et je dis à un pile monde, pral connaît qui s'est passé, Vindic la tombé, Ariel Henry, la gué pour col, Canada t'a découvert, c'est Ariel qui gagnait toute équipe gang là derrière, et dernier pays là, c'est eux même qui étaient à l'origine. Juste pour être capable de faire l'argent sous peuple haïtien. Cependant, Ariel n'a pas gagné l'autre choix que utiliser l'armée et puis coller avec la police pour joindre les bagailles. Si yo pas fait ça, pays a pris le pire mal, gang pas l'envahi pays. Et personne ne peut traverser à faire élection. Ou bien, ça y a dit que le fait pays. C'est que Tibet, ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Faut qu'Ariel quitte le pays. Même j'en tout américain, à Canada, les États-Unis, avec l'autre pays, vie et Bali et l'ilaguet dans la bataille là pour coller. Il y a qui dit, c'est dernier coup de loi que Xavier Vazla, Ariel Henry pa gon pa kita en panagol pour le faire avec pays a, c'est démissionner sinon bagaille pour le plus grave Timami Diri a monté tête nèg et la mort Jovenel gen gros conséquences sous sa rive. Et yo tout Jovenel yo t'est paré pour faire l'argent et yo t'en fait l'en Gaza pratiquement depuis des ans en pile bataille déjà faite dans pays a, sans pour autant peuple haïtien toujours été dans kachouboumbe et puis cacophonie. Homme politique yo la gueule. En nous entrer dans des informations yo, gen San Delika, analyse politique là, développement social, lui même qui t'a parlé dans dossier ça avec Jimmy, mon affaire TV bon, cause yo en pile. Mesdames, messieurs, sous pour qu'on fait ça, connectez ensemble avec nous, songez à abonner à Chanel Paola, nous c'est Sofia TV 83, toute information à continuer à venir en temps réel quand il s'agit des pays d'Haïti. Quel que soit côté où il y a dans le monde là, restez là pour vous déplacer mes nouvelles là, dans bon gentil mami. Faut pas oublier que les gens qui font ça, non objectif économique, et c'est oligarque qui te met des structures pour qu'ils aillent faire quoi dans le pays local. Pendant le pays local, ils font 90 millions de dollars américains par mois dans le gaz. En 19 mois, ils ont 1 milliard 730 millions de dollars américains qui ont ramassé dans la poche malgré dans le gaz seulement. Dans la vie chère, c'est 6 ou 7 oligarques Pétionville qui ont un monopole d'Iri, l'huile, farine, sucre, foie, tout ce qu'on mange, c'est au monopole là. Mais ils font exprès, ils augmentent les prix et ils mettent l'inflation à 59%. Donc dans la vie chère, ils ont ramassé 843 millions de dollars américains en 19 mois. Donc, 1 milliard 730 millions plus 843 millions de dollars américains. Regardez combien ça va être pour eux. Regardez combien ça va être pour eux. Ça veut dire que vous dépassez 2,5 milliards de dollars américains et vous êtes ramassé en 20 mois. Je ne vais même pas parler de trois budgets qui ont phrasé. Ils font un premier budget rectificatif, 197 milliards de gouttes. Ils font un deuxième budget, 210 milliards de gouttes. Troisième budget que vous faites depuis 19 décembre 2022, qui a prasé là, il y a 267 milliards, 600 millions de gouttes. Donc, ça veut dire que gagne utile négio pour mettre régime économique qui chita sous la vie chère. Donc, c'est pas rien de nouveau, ça sorti là. Mais si l'armée d'Haïti a tabay résultat, je ne bagaille pas là. Est-ce que n'a pas obligé à aller dans l'élection avec Ariel Henry. Si là, mais à camper, tout bon commence à tirer gang, craser gang. Parce que là, en même temps, moi, il y a un avantage à Ariel là. Si là, mais a fait travail, li, vraiment, il va vouloir faire élection quand même, il ne voulait pas avoir avec Ariel. C'est sur route ça que nous avons dessiné là. Non, pas. Nous pas voulu, mais c'est ça que nous avons dessiné. Non, regardez, deux bagages. Depuis là, mais a entré. Il y a deux prérequis qui parlent à la victime. Okay. Prérequis numéro un, il faut que mon leadership qui parle dans la gang.
dans tête l'État. Eux qui numéro 2 zame que besoin pour Gouma gang yo que yo acheté le bail. Ça c'est deux prérequis. OK. Son j'aime de tout ça mettre série type ça parce qu'on va le besoin de devoir. Mhm. Et nous Dubaï yo à la. Deuxième bagage là. Ariel pan élection. Ariel besoin font coup d'état électoral pour nouveau parti que Dimitri Vob a bon nèg ça au monter. Parti a relé Haïti nouvelé a. OK. Donc métier nèg ça c'est que chaque 4 ans, chaque 5 ans ou bien chaque 8 ans par exemple, yo fait l'espoir, l'espoir vient populaire dans j'ai peuple là yo changer non. C'est même équipe. Il vient avec unité. C'est toujours même équipe là, il vient avec unité. Ou bien unité vient perdre du fil, peuple là pas veut tendre avec unité. Il vient avec vérité. Vérité a pas marché du tout avec Jacques Limac, ou bien il vient avec Haïti nouvelé. Mais candidat est toujours Jacques Limac. Avec lui veut pas être là. Donc, son coup d'état électoral, il y a besoin de faire pour Haïti nouvelé. C'est pour ça, dans tout le discours que Ariel a fait, et même dans le tweet que Ariel fait, il toujours mettait Haïti nouvelé. Mm-hmm. Parce que Ariel parti à Ariel et Haïti nouvelé. Mm-hmm. Indirectement, mon nom même pas comprendre votre job. Non, bon, et pour ça, pour inviter nous, pour nous essayer de faire radiographie d'Ariel, comme sentinelle peuple, nous toujours présents pour nous faire radiographie à vous, peuple. M'a regardé au état major la mea moi comme si pour Jean-Moi le proche avec Ariel ça moi même gien inquiétude Jean-Moi monsieur ça marché là ou t'a dit c'est quoi contact Figaro Jean état donné c'est politique quand même mais gien inquiétude même m'a gien ni inquiétude ni bagage bon moi doit ca docteur va ca bon moi sur maladie pour souffrir. Nous font diagnostic déjà de qui sa réalité gang yo gen dans pays d'Haïti. Qui sa qui côté ou yé, qui positionnement yo, qui est-ce qui n'a tête qui sa, etc. Nous ouais non pays côté a combat gang qui différents étapes yo. Numéro un, leadership politique qui n'a tête l'État qui pas dans gang. Numéro deux, stratégie intégrée. Numéro trois, mettons unité spéciale pour alcaser gang yo. On prend 1000 soldats et puis on mélange 1000 soldats avec 3000 policiers, okay. Puis bon unité spéciale de 4000 hommes, ou bay un hélicoptère de combat, ou bay un lunettes à infrarouge qui permettent que les Hollandais nuit qui ouais tant la journée, ou bay un RPG, ou bay un char d'assaut, ou bay une série de fusils sniper spécial qui capent ces blocs et béton et qui permettent que l'on cherche si bout mon qui nan gang nan et c'est avec chalet nan kol ko identifié en fonction de télescope ki ou ba ou a ouais mouvement de chalet télescope spécial c'est ça en fonction de mouvement de chalet ko a quel que soit côté moun nan et des quel que soit béton ou mic et la cachon a pété fiel gang nan donc je vous dis a lorsqu'une fait étape ça ou fait entraînement unité 4000 hommes nan paré. Ou bon différents types de capillon te ba yo la déjà. Je dis à l'en nous font analyse dans le pays d'Haïti. Premier étape là pour vous même là. Ou bon bon premier ministre qui pas dans gang. Ou bon bon gouvernement qui pas dans gang. Donc si vous même qui dans l'armée, yo, parce que l'armée a gen quand même intelligence militaire. Certains qui intelligence militaire dit commandement l'armée a Ariel dans gang. Ministre justice dans gang, ministre défense dans gang. Donc, on l'a, mais qui pas gagné deux prérequis qui m'ont dit à l'air, qui c'est leadership politique là, avec Zam qui a besoin bon. Et ça va faire qui ça? Après, c'est 9 mois, depuis le colonel l'a dédiqué, depuis au bali hélicoptère à Charles Dassault, la crase gang yo, pour qui ça, Ariel pas jamais occupé sa colonel, ça a dédié, et puis c'est intervention militaire blanc qui l'a le prend en conseil des ministres. Depuis les ça, ouais, bon bagage qui pas marché. Depuis les ça, Jimmy, ou est bon problème mon côté, même si le problème n'est pas visible, mais un monde qui a suivi le bagaille, ou est bon problème. Kounia la, est-ce que la communauté internationale, là, non, pas jamais parler de la mine à Haïti, est-ce que vous pouvez faire parler de la mine? Il y a toujours dit qu'il y a un support à la police. Est-ce que vous pouvez faire reconnaître pour t'a dit, même laisser pas hypocrisie,
n'a pas de l'armée. Jimmy, je me répète ça à vous encore. C'est très important, nous ne pouvons pas passer sous lui. Nous ne pouvons pas passer sous ça. Imaginez, Jimmy, pour premier ministre. Quand le premier ministre en Jimmy, il y a un problème gang dans le pays. Non, c'est le monde officiel qui protège l'armée. Mon colonel dans l'armée qui fait discours qui dit depuis on bal les armes ni besoin on bal hélicoptère on bal chadar sur la place des gangs et puis ou même qui premier ministre Jimmy qui chef pouvoir exécutif là on va jamais occuper colonel là pendant plusieurs mois et puis finalement non seulement pour occuper colonel là finalement loi bon décision son conseil des ministres qu'on fait pour demander intervention militaire étranger. Oui, non, qui contraire à la Constitution, qui sont crimes de haute trahison qu'on fait. Et puis pendant après l'intervention militaire, on propose que l'armée propre pays qui dit sous base d'armes, sous base ça, la place des gangs, on va même occuper cette intervention militaire étrangère. Ou pensez que le premier ministre ça va le servir à l'armée tout bon pour casser gang? Non, c'est ça, exactement. Sérieux, Jimmy Man. Sérieux, Jimmy Man. Non, c'est ça. Vous savez, question qu'on se pose, on va même entrer là-dedans. Parce que je connais les gens qui pas vu l'armée, ils n'ont pas vu l'armée pendant 20 mois, ils n'ont pas vu la police 20 pendant 20 mois, pour qu'ils soient pensés, ils n'ont pas vu les sans le malheureusement, nous n'avons pas de chance, ils font parler sur ça. Nous voyons que Ariel, finalement, après que nous avons la communauté internationale, nous voyons nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, nous tous qui avons dit, ou même spécialement qui t'a dit que c'est force l'armée d'Haïti, et avec la police qui t'a dû prendre responsabilité. Mais nous voyons finalement, après plusieurs humiliations, il décide enfin d'embarquer avec la main. Comment on doit comprendre ça, Stanley, frère? Décision ça, pour qu'on comprenne, pour faire à la fois une analyse historique de sa crise de la main et pour faire une analyse conjoncturelle. Dans l'analyse historique, là, on va dire que monsieur qui est au pouvoir, yo, c'est yo qui a créé le mouvement de soldats pour aider Aristide Crasel la mer. Okay. Depuis Aristide Crasel la mer en 1995, chaque fois dans la société, on parle de reconstruction de l'armée, je fais des blocages institutionnels et des blocages au niveau de l'opinion publique. Pour que l'armée n'a pas de bâti. Et c'est nous arrêté le président Jovenel Moïse Vinpran le 16 novembre 2017. Le président Jovenel Moïse constate trois menaces que le pays a fait face à lui-même. Menace gangio et menace montée hégémonique de la République dominicaine. Avec une minorité raciste de 5% qui t'a aimé font l'autre génocide sous nous-mêmes, j'ai été fait en 1937 côté où t'es tout 30 000 haïtiens. Et en même temps, menace des assassins naturels, président Jovenel décide que la bâti la mer. Donc, c'est non, dans le cadre de la défense des intérêts nationaux d'Haïti, le président a arrêté en 16 novembre 2017 pour bâtir la mer. Une année plus tard, en octobre 2018, nous voyons que le président a raison. Parce que le tremblement de terre a fait dans la Tibonite et dans le nord-ouest, quoi ça, c'est pas l'armée blanche qui a aidé mon pays d'Haïti qui était affecté par le tremblement de terre. C'était l'armée d'Haïti qui était déplacée dans la Tibonite et dans le nord-ouest à l'aider après le tremblement de terre. Mais pendant que le président a bâti la mer, il fait face à trois mouvements de sabotage. Premier mouvement de sabotage, là, c'est ça, l'opposition institutionnelle là, qui a collaboré dans le Parlement avec SDP. Il fait tout ça au capable de ne pas jamais la mer à budget pour rendre impossible bâti la mer, pour que la mer ait sous papier, et même si tu as un bouillon qui t'est formé, mon côté est à le craser depuis devant. Malgré
opposition institutionnelle là, président avancé a bâti la mer. Et deuxième bagage que nèg yo fait, nèg a laissé rentrer infiltrer pouvoir exécutif là sous président à même réseau politique qui te crasé la mer en 1995. Ou garder si ou ka gen contrôle ministère de défense pour ralentir bâti la mer si ou pas ka ralentir pour prendre contrôle lui. Troisième mouvement qui ont fait à l'époque là où la mer avait prend forme vrai en février 2020 c'est une manifestation pays lok dans la rue Dimitri Vob, André Michel Sergi avec on écrit les Blaise Roberto il y a là un tweet pendant manifestation a fait dans la rue Port-au-Prince côté sous tweet là monsieur dit que soldat qui l'a prouvé quartier général là mais ont fait tirer ou tuer plusieurs policiers et des policiers qui tombaient donc si il pas voyer renfort rapide avec les unités spécialisées nèg la mer a tuer tout policier qui à l'époque pas gen moun dans gouvernement qui monte sur les réseaux sociaux pour dire que tout ça c'est menti, c'est fabrication, pas gain sa pièce. Joue ça sans en pile policier avec soldat la médaille qui t'a coulé et nèg t'a pas servi à ça pour craser la mer. Donc au niveau historique, faut qu'on réalise ça. Au niveau conjoncturel, pour montrer que nèg pas jam dans l'armée. Non seulement nèg pendant 20 mois mais je pas bay la mais tout équipement malgré déclaration bon colonel la mais a quitté fait depuis jeune blindé jeune hélicoptère la craser gang yo mais je pas jamais répondre à sa colonel la te dit mais je député depuis toi le fond conseil des ministres côté au point décision pour mander intervention militaire occupation militaire étranger et pour montrer que nan ken nèg sa yo nan tèt yo nan émotion yo nan comportement politique yo pa vlon l'état régalien on l'état régalien ki fò pou montre clairement mode de pensée nèg sa yo ki rayi on l'état fò ki ka descend peuple la juste à regarder premier conseil des ministres Ariel Henry on pays côté soldat Colombie nan complot an nèg sa yo infiltré entrer dans pays nous vinn tuer président nous on bagaille fini comme ça fini rivé n'importe qui responsable politique pour avoir nécessité faut gain intelligence faut gain l'armée faut gain la police ces réactions politiciens normal pour fin tuer président la caillou donc automatiquement on va regarder infrastructure sécurité pays à comment pour renforcer dans le premier conseil des ministres Ariel fait qui s'est pas laissé faire craser l'agence nationale d'intelligence que le président a créé. Donc depuis là ça ouais que nèg sa yo a fait l'armée yo pas là du tout. Donc on fin fait analyse conjoncturelle et historique de comportement nèg yo par rapport à l'armée et puis qu'il y a à la dernière minute les blancs dit pas gain blanc qui vient mourir pour petit nèg dans pays d'Haïti. Et puis, Charles fait discours ça par rapport à l'armée. Si nous commandons l'armée, il faut faire très attention. Que ce n'est pas un piège ni faire l'armée, tout le monde bouc émissaire. Parce que connaissant les gens, ils ont fait un plan pour aller servir à l'armée comme bouc émissaire. Vous pensez que c'est un piège qui est lié pour les militaires? Ce n'est pas penser, non, c'est ça lié même. C'est ça lié même. Parce que comment on voulait un gouvernement qui n'en gang. Un gouvernement côté premier ministre n'en gang. Ministre de l'Intérieur n'en gang. Ministre de la Justice n'en gang. Ministre de la Défense n'en gang. Secrétaire général palais national n'en gang. Il y a à peu près 30 l'os moun encore dans le pouvoir exécutif qui n'en gang. Un gouvernement, ça va quitter l'armée crasée gang. Non, mais Kounia, et Sané, monsieur militaire, c'est son équipe jeune garçon qui est très intelligent, qui est brillant. Pas quoi que vous prenez un piège ça. Puis nous même tout, faut nous. J'en ai fait la plan salette là pour ne pas quitter monsieur ça ou tomber dans piège ça. Moi, j'espère que vous êtes assez vivant pour ne pas quitter Ariel à jouer avec vous, frère Pam. En général, un militaire patriotique, un militaire de bonne foi, un militaire pour la question de sécurité nationale au sérieux,
Et en général, on militaire pas dans politique. Connaissant qu'aucun ça qui depuis 20 mois dans gang, pas veut pas ni la police ni la mes âmes pour craser gang yo parce que dans émission côté me répondre question déjà depuis plusieurs mois dès que ça depuis mon stratégie intégrée depuis acheter zam pour la police à l'armée il y a craser sans problème gang yo en 4 mois m'a toujours dit ça depuis longtemps. Oui oui, vous parlez de ça vraiment. Donc question qu'on doit poser c'est tout. Pour qui ça nèg yo en 20 mois pas jamais fait stratégie intégrée et pas jamais acheter zam pour la police et l'armée parce que on en gang. Donc le fait même que jodi a nèg yo fait choix pour yo mettre l'armée dans combat insécurité a. Commandement l'armée a dû être très prudent pour que nèg ça parce que demain matin l'armée commence mettre gang à terre. Connaissant les André Michel, les Nenel Kassi, les Ariel Henry, les Pierre Espérance, ils parlent de l'armée dans le massacre. Alors que l'armée, c'est gang qui met à terre. Donc, je ne veux dire, moi-même, parce que tout le monde qui est rationnel, tout le monde qui est sérieux dans le pays, connaît que la première étape pour franchir, pour craser la sécurité, craser tout le monde qui est dans la gang, première étape là faut garantir que leadership politique qui dans tête l'état pas dans gang comment on veut on l'armée après à craser gang les supérieurs hiérarchiques moun l'armée autorité civile qui dans tête l'état yo dans gang comment l'armée va faire craser gang pendant que autorité civile qui dans tête l'état qui c'est supérieur hiérarchique moun qui dans l'armée yo dans gang. On piège yo pare mou la mea. Donc vous pensez comme si forme des pièges que yo pral di par gen munition et gen matériel yo pral di commander par recevoir. Non mais mais gars chez son bouc émissaire. Il dit né yo gen tan gen caisse pou pa gagne yo pare là depuis là mais commencer la gè kèk de gang à terre yo pral douce innocent que la mea touye. Ouais. Pour ça ouais, il y a possibilité ou pral tan des scandales de la mea. Ou pas le temps de l'armée à Tefessi, et ou pas le temps de vous arrêter tel militaire, ou pas le temps de vous bagaille quand même, mesdames, messieurs, préparez-nous. C'est ça, monsieur Dola. Il dit que Negio prépare une propagande politique pour faire l'armée à tout non bouc émissaire, pour faire oublier que non seulement Negio n'a tout le président, Negio n'a gang et n'a volé l'État depuis 20 mois. Donc, je vous dis, quel que soit mon capitaine de l'émission là, qu'on est que. Dans tout pays côté a craser gang, étape numéro 1 c'est leadership politique qui dans l'état ça va commander la police et l'armée avec intelligence pour craser gang yo. Leadership politique ça qui dans tête l'état pas kan gang jodi a nous connaît à 200% leadership politique qui dans tête l'état qui là avec Ariel avec tout nèg ça que nous connaît nèg dans gang. Donc comment faire l'armée pour ka détruire gang les chefs hiérarchiques autorité civile cap commander l'armée à l'inagan. On avait dit que journée aujourd'hui a n'y a pas laissé sacrifier l'armée parce que l'armée a campé en quoi et dans tout ça au gain comme objectif politique c'est pas par accident c'est coup lié et faut pas oublier tout ça n'est que fait là pour leur besoin manger monde qui dans l'armée c'est pas par accident nèg yo mette 6 moun dans CSPJ 11 moun pa yo dans cour de cassation puis dans gang avec yo pour que lè ou pa régler bagay là au niveau de la justice pa gen la justice c'est ça relé à la ba 3 pou pralé jodi a sou pa nan kan assassin et nan kan volé et nan kan moun ki touye président et de pou al devant la justice soit victime tade ki jan l'autre jour là nèg yo nan figi nou tout yo la go en escou tout moun wè nèg la té nan escou kri on seul coup de fil commissaire gouvernement pa met pied puis droit en tribunal première instance vin lagué pa gen la justice jodi a pour sa l'égalité des citoyens devant la loi va exister la justice nan nèg yo donc ça veut dire que les nèg yo prend décision ça c'est des moun ki yo pral sacrifier en dans la mer donc tout autant que tout moun k'ap tande là wè comment ça fait Salvador leadership politique là pas dans gang automatiquement une bon stratégie intégrée qui vient là dans toute institution dans l'état cap boumer contre gang yo rentre dans banque centrale il acheté 120 millions de dollars américains zam yo ba la police à l'armée tout vous amis besoin pour fond fois gang yo
pour arrêter oligarque, arrêter ancien président, arrêter li ancien parlementaire, leader politique qui n'a gang avec sa descendant la rue, crasé gang yo une après l'autre et puis mettez 41 000 en bas code. Donc a fait le tout. Mais attendez, regardez, là on a bien des juste qui dans la dans petit pile nouveau cas de kidnapping. Le leadership politique dans tête l'état pour nous changer tout autant pas changer la gagne carré. Pendant parler des pièges, pendant le week-end, il y a un pile cas de kidnapping. On a demandé pour l'armée d'Haïti. Est-ce que vous pouvez dire, gardez l'armée, parce que nous toujours dit, il faut que l'armée ait responsabilité. Probablement, vous pouvez dire, gardez monsieur gang a fait kidnapping, il a tué le monde. L'armée n'est pas en mesure pour porter en réponse. Donc, est-ce que ce n'est pas justifié, après c'est justifié davantage, pendant que vous avez l'armée en matériel, munitions, pour frapper gang? Son bail n'a pas été là depuis peut-être 18, 19, 20 mois. Ok. Le président Jovenel Moïse commence à gommer contre Gagnon. Le premier bagage, il fait. Il commande un paquet blindé Canada. Yes. Il commande blindé dans mon compagnie privée. Il paye, l'État haïtien paye tout le bagage pour envoyer blindé. Qui est-ce qui te bloque blindé? C'est l'autorité politique Canada qui te bloqué blindé. Ça veut dire Canada est dans complot contre le président Jovenel Moïse. Mm-hmm. Jusqu'à ce que le président mourit, Canada va voué blindé. Même après, le président a fini tout yel. Le Canada a sorti l'aide devant l'opinion publique. Il voulait essayer de blindé pepe ben non. Par rapport à l'Ukraine, côté la boue bon Jean blindé senti bon. Oui, ça c'est vrai. Depuis le ça. Non seulement nous venons joindre que l'autorité Canada dans complicité dans cette situation politique pays d'Haïti pourri, nous allons découvrir tout que nous avons une politique raciste qui a mené par rapport à Haïti. Le premier ministre Canada, son nègre qui a été trois fois, n'a pas tiré sur Guilan noir. L'homme blanc fait ça, avait dit son blanc raciste qui paraît même un noir. Et en même temps, tout, pour nègre qui fait histoire récente au niveau relations internationales, nous connaissons que la mission militaire des Nations Unies dans Rwanda, son général canadien qui est le Roméo Dallaire qui était dans la tête, monsieur était à éviter le génocide en fait Rwanda, et pourtant monsieur quitte le génocide en fait. Donc ça, c'est un type de Mounsao qui en a fait là. Nous obligés de faire très attention parce que dans le pays, ça. Même les gens des Canadiens qui comprennent, ça veut dire haïtiens qui veulent bien bouler avec nous et qui connaissent qu'ils ont une dette morale par rapport avec nous, vu le rôle que le professeur haïtien joue dans le système éducatif francophone dans le Canada. Mais, dans le temps, les Canadiens qui sont haïtiens bien, qui ont tous des Canadiens racistes qui veulent détruire nous. Donc, regardez des vidéos blancs canadiens racistes qui ont circulé sur les réseaux pendant ces semaines. Ou à qui point racistes ont raï nous. Nègre tellement raï nous, y'a pas même. Nègre allé juste tourner des salines pour nègre venir parler de nous. Nègre pas oublié ça des salines t'es fait. Nègre pas jamais pardonné le fait que des salines t'écraser système esclavagiste qui ont été mis côté eux-mêmes, colons blancs, t'es qu'on mettait pieds sous coumou noir tant que non. Souhait vidéo blanc, ça a parlé même. Avec un raïs sans sur les réseaux sociaux. Non, mais non, pas bas. Non, pas bas. L'important que les peuples. Non, l'important pour éduquer le pouvoir. Parce que, ça qu'on écrit, mais ça qui passe cette année, Montréal, pour Journal Van, monsieur Sayo, depuis qu'on parle de Haïti, Journal Van, il y a sur les réseaux sociaux, depuis qu'on parle de Haïti, c'est laisse ou un code d'écoute. Évidemment, c'est tout mal. Il y a fait. Jimmy, il est important que nous éduquions le peuple, nous. Parce que le peuple, nous, est un bon peuple. Oh, yes. Le peuple n'a pas compris la menace blanc raciste, là, toujours. Blanc qui a essayé de détruire nous. La menace, là, toujours. Donc, si vous n'avez pas éduqué le peuple, vous n'avez pas éduqué tout le monde qui a plaisir, vous n'avez pas éduqué les jeunes. Même grand monde, continuez à éduquer sous menace que blanc raciste représente pour nous, nous prenons un coup. Oh, exactly. C'est pour ça l'important qu'on passe vidéo ça yo, pour éduquer le peuple là. Gardez qui Jean Blanc raciste la pensée. Tout autant le pas détruit, il va sentir bien.